En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et aujourd'hui 14 films, Claire Denis s'est imposée comme l'une des personnalités les plus singulières du cinéma contemporain. Mais justement, qu'est-ce qui caractérise le cinéma si singulier de Claire Denis ? Do I look like my mother? Special. Eh bien, le cinéma de Claire Denis se caractérise tout d'abord par une troupe d'acteurs fidèles, à commencer par Isaac de Bancolé, Béatrice Dalle, Vincent Gallo ou Michel Subor, mais aussi et surtout Grégoire Collin, présent dans 6 films de la cinéaste, et Alex Descas, présent dans pas moins de 7 films. Le cinéma de Claire Denis se caractérise également par une certaine fascination pour l'Afrique, continent où a grandi la cinéaste et qu'elle a filmé dès son premier film, Chocolat, puis qu'elle a retrouvé dans Beau Travail ou plus récemment dans White Material. Mais cela dit, les décors de prédilection de Claire Denis sont aussi et surtout urbains, avec deux pôles principaux, Marseille, balayé en voiture de nuit dans Nénette et Bonnie, ou balayé en métro, deux jours dans Beau Travail, et puis Paris, parcouru à pied dans Un beau soleil intérieur, en métro dans J'ai pas sommeil, en voiture dans Vendredi soir, ou à moto dans 35 Roms. J'aime bien quand on roule comme ça. Et puis, dans ces grandes villes et leurs périphéries, une certaine prédilection pour les décors en ruine, comme dans S'en fout la mort, à l'époque j'ai eu pour une bouchée de pain, ou pour les décors en construction, comme dans US Go Home, c'est-à-dire une fascination pour des décors en perpétuelle mutation, dans lesquels naviguent des personnages eux-mêmes en transit, en plein déménagement comme Valérie Lemercier dans Vendredi soir, ou pris dans les bouleversements politiques comme Elisabeth Huppert dans White Material. Et ces personnages d'origine diverse vivent souvent dans des conditions modestes, voire précaires, le plus souvent à l'hôtel, lieu de transit par excellence, comme ici dans J'ai pas sommeil, avec des personnages qui partent et d'autres qui arrivent, chassés-croisés de silhouettes qui s'effleurent sans se rencontrer, une idée que l'on retrouve toujours dans J'ai pas sommeil, avec ses voisins qui se croisent sur le palier, mais se regardent à peine, ou encore dans S'en fout la mort, Isaac de Bancolé et Alex Descas, étrangers aux secrets sentimentaux de la propriétaire des lieux, en la personne de Solveig de Martin. Les films de Claire Denis fonctionnent ainsi comme ces rails de RER dans 35 Roms, avec des trajectoires singulières, destin, fiction, vie qui se croisent sans se rencontrer, ou qui se rencontrent sans réellement concrétiser. Et conséquence logique, l'amour chez Claire Denis est souvent contrarié, par exemple entre Nicolas Duvauchel et Béatrice Dalle dans Trouble Every Day, entre Juliette Binoche et Xavier Beauvois dans Un beau soleil intérieur, ou encore entre Richard Courset et Vincent Dupont dans J'ai pas sommeil. Alors il faut vivre et filmer pleinement les rares moments de fusion des corps, comme ici dans Vendredi soir, car l'éphémère guette, des corps enlacés filmés de loin dans J'ai pas sommeil, ou filmés de près dans Vendredi soir, des rapprochements qui nous font penser que le décor de prédilection de Claire Denis n'est finalement pas l'Afrique natale, ni les grandes métropoles d'aujourd'hui, mais plutôt le corps, son intimité et ses secrets, ce que nous montre Beau Travail avec ses corps de légionnaires au sol, dans les airs ou sous l'eau, et avec ses chorégraphies sans contact, ou ses chorégraphies avec contact. Fascination pour les corps, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient propres ou qu'ils soient sales, sans cesse des corps et des peaux scrutés, auscultés de très très près, les plus beaux paysages du cinéma de Claire Denis. Mais le cinéma de Claire Denis se caractérise aussi, et peut-être avant tout, et c'est là où nous voulions en venir, par une certaine fascination pour la musique. Déjà, la cinéaste a réalisé au carrefour des années 90 un documentaire musical, attention, qualité VHS, sur le groupe camerounais Les Têtes Brûlées. Puis sont venus les clips réalisés pour les Sonic Youth, comme celui-ci, plutôt impressionniste, pour la chanson Incinerate. Et puis, il y a évidemment les films, et tout d'abord quelques apparitions de chanteurs, à commencer par Christophe Miossec dans Les Salauds, mais aussi Ingrid Cavan dans 35 Roms. Tu ne te rappelles pas ?
Sans oublier Philippe Catherine, impayable en voisin lunaire, dans un beau soleil intérieur. Ah bonjour. Ah bonjour. Vous faites vos courses dans le quartier. Il est bon à Norpoiscaille ici. Hein. Oui, très. Ou encore Lynn Renaud, tout aussi impayable, en prof de self-défense, dans J'ai pas sommeil. Coup de pied, blocage. Coup de pied, blocage. Coup de pied, blocage. À part ça, pour la BO de ses films, Claire Denis a travaillé avec de grands musiciens, à commencer par Abdullah Ibrahim dans S'en fout la mort, pour quelques mélodies de jazz au piano, et quelques mélodies de jazz au saxo. Mais c'est évidemment avec les Tindersticks que Claire Denis a le plus souvent travaillé. La musique du groupe anglais emmené par Stuart Staples ayant rythmé nombre de ses films, qu'il se déroule à Paris, comme dans Les Salauds, ou que ses films se déroulent en Afrique, comme dans White Material. À part ça, on participe parfois à des concerts chez Claire Denis, en tous les cas Alex Descas avec Machito dans J'ai pas sommeil. Et surtout, on se rend en boîte de nuit pour danser chez Claire Denis, seule dans un beau soleil intérieur, à deux dans S'en fout la mort, ou à un peu plus si affinité dans Beau travail. Et même les cafés chez Claire Denis se transforment à partir d'une certaine heure en boîte de nuit, comme dans 35 Chrome, au rythme du night shift des Commodores. Enfin, terminons ce tour d'horizon par d'autres citations, comme ça, pêle-mêle, de l'électro avec Jeff Miles dans Vendredi soir, du reggae avec Bob Marley dans S'en fout la mort, de la chanson américaine avec Dean Martin dans J'ai pas sommeil, de la pop française avec Alain Chamfort dans Vendredi soir, ou encore du Procolarum écouté à la radio dans J'ai pas sommeil. Ce que j'ai pu frotter là-dessus. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos citations musicales préférées dans le cinéma de Claire Denis. Ah, tu veux conduire? Bon, ben conduis, vas-y. Notre numéro 5, commençons par US Go Home, le téléfilm qu'a réalisé Claire Denis en 1994 pour la collection Tous les garçons et les filles de leur âge, avec une citation des Animals, écoutée par Grégoire Collin dans sa chambre, qui sonne comme un programme. La musique chez Claire Denis sera affaire de mouvement et d'énergie, et cette musique sera citée le plus souvent en longueur. Thank you.
Notre numéro 4, impossible de ne pas mentionner dans ce top l'immense contribution au film de Claire Denis des Tindersticks, et parmi les nombreuses compositions pour la cinéaste, notre choix se porte sur les premières images de Trouble Every Day, un baiser vampirique, des images en fondu au noir puis en fondu enchaîné vampirique elles aussi, difficile en tous les cas pour nous d'imaginer scène d'ouverture plus envoûtante. My eyes, you see trouble every day. It's on the inside, so don't try to understand. I get on the inside of you. You can blow it all away. Such your slightest breath. And I know who I am. Notre numéro 3 concerne Beau Travail et l'utilisation de l'opéra Billy Budd, composé par Benjamin Britten. Pas tout à fait le même genre musical que les Animals ou les Tindersticks, mais en tous les cas, toujours la même fascination pour une certaine musicalité des corps. Notre numéro 2 concerne « J'ai pas sommeil » et la citation du « Lien des faits » de Jean-Louis Murat. Pas tous les jours que l'on entend Jean-Louis Murat dans un film, et en plus murmuré en playback par Richard Courset dans un club gay, alors allons-y, voici la scène culte du cinéma de Claire Denis, en longueur, cela va de soi. Comme la vipère, comme la reine des prés, morte terre. Comme la femme douce, comme l'homme léger, au moment d'oublier, tu déferas le tien.
croit d'amour, où on se croit féroce, enraciné. Mais vient toujours le temps du lien des faits. On se croit d'amour, où on se sent épris d'éternité. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, Denis Lavant, en boîte de nuit sur une chanson de Corona, à la fin de Beau Travail. Claire Denis n'a tourné qu'une fois avec Denis Lavant, mais une fois pour l'éternité, offrant à l'acteur le plus beau des cadeaux, un espace et un temps de totale liberté.